Dale, je vais te faire un peu de temps. Quelques dizaines de personnes sont venues soutenir les deux habitants placés en garde à vue pour avoir voulu faire justice eux-mêmes. Du coup, les gendarmes trouvent qu'ils ont abusé. Ils ont été excédés, ils ont dû peut-être tabasser le voleur un peu plus. Des faits présumés commis le 4 mai. La victime du cambriolage a, avec trois personnes qu'elle connaît, procédé à l'enlèvement de cette personne qui était dans la rue à proximité du lieu des faits. Il l'a emmenée à son domicile. Elle a été ligotée avec des câbles électriques. Il y a de nombreux coups qui lui ont été assénés, des coups de poing, des coups avec divers objets. Elle a été piquée avec une agrafeuse au bras, à la jambe. La victime a porté plainte à la gendarmerie. Ce jeune majeur se dit innocent pour le cambriolage commis au quartier des Cultures. La perquisition menée par les gendarmes à son domicile n'a donné aucun résultat.